Le téléphone là, fait au revoir. Au revoir. Bien fait. Tout le monde sait. La catastrophe. La catastrophe. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 janvier. Et donc, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je viens de me lever. J'ai rendez-vous au gynécologue à 15h45. Brian devait finir à 15h, je crois. Donc on n'aurait pas eu le temps, le temps qu'il change, qu'il se lave vite fait, on n'aurait pas eu le temps d'aller au rendez-vous, on aurait été en retard. Donc du coup, il a demandé à son chef de partir une heure plus tôt. Donc il part à 14h au lieu de 15h. Et donc du coup, il rentre, il se prépare, tout ça. Et après, on y va. Je vais voir pour aller faire un tour à Action. Vous allez me dire, fait que d'y aller et aller retourne. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en fait, il fallait que je vire tout le 24 mois à Thaïs. Et du coup, je voulais mettre dans les caisses au fur et à mesure et faire ça maintenant à chaque fois. Mettre dans des caisses le linge qui lui va plus, parce que sinon après, je le perds le linge en fait. Parce que je le mets dans un coin et tout ça. Et puis après, ça se mélange avec du linge qu'il fallait que je jette et tout ça. Enfin bref, la catastrophe. Et du coup, à chaque fois, il faut que je retrie 10 fois de suite. Sinon, mon chéri, il m'a acheté des fleurs hier. Trop beau. J'ai pas voulu enlever le petit paquet, je trouve que ça fait trop joli. Du coup, j'ai mis au milieu de ma table. Je trouve ça trop beau. J'ai cassé. T'as caché ton gâteau? J'ai cassé. En tous les cas, Thaïs, elle s'est régalée avec le gâteau, la brioche chinoise. J'arrive plus à parler. Regardez. C'est tout ce qui lui reste. Je pense que vous avez vu la part que je lui ai donnée. Et c'est tout ce qui lui reste. Et vraiment, elle n'en perd pas une miette. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, du coup, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà la petite tenue du jour. Donc, elle a ces filles-là. Ça faisait longtemps qu'elle les avait pas mis. Un jegging, rose comme ça de chez Kiabi. Et un petit t-shirt comme ça de chez Kiabi. Je vous ai fait un haul, vous pourrez le voir dans les prochains jours. Et donc là, elle a ses cheveux qu'on... Qu'on boucle devant, et je vais pas encore enlever ses nattes puisqu'elle va aller à la sieste, donc ça sert à rien de la coiffer maintenant. Et il est déjà 13h26. Mon Brian rentre dans une demi-heure. Moi, faut que je me maquille, que je me coiffe. Ou je vais aller la mettre à la sieste, et puis je vous reprends après. Oui. 47. Et cours, 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 cours. Mmh.
Sortie de mon rendez-vous, on a Thaïs là qui veut pas enlever sa capuche depuis tout à l'heure. Bref, sinon tout va bien. Bébé a toujours la tête en bas, il est bien calé contre le col, il est bien installé apparemment, il a pas trop envie de bouger. Elle a examiné mon col et il est un peu mou, mais il est mou et mi-long. Qu'il s'est un petit peu modifié, qu'il soit mou, c'est normal, c'est normal. C'est... À cette date-là, c'est rien de toute façon. Mais elle m'a dit que c'est souvent parce que comme il n'y a pas très très longtemps que j'ai accouché, donc pour Thaïs, quoi. Donc du coup, c'est normal qu'il soit pas aussi tenace que si c'était ma première grossesse et qu'il y avait longtemps que j'avais accouché. Et du coup, il est mi-long. Un petit peu modifié, mais ça je le savais, j'avais senti je sais pas, c'est une intuition genre, et le fait qu'il soit posé contre mon col, je m'en doutais parce que je le sentais en fait, quand il bougeait ça me faisait mal dans le col et dans le vagin, donc je savais très bien. Mais et puis j'ai aussi perdu un peu de bouchon de queue, donc je m'en doutais que c'est que mon col il se modifiait, mais il s'est quasiment pas modifié, donc c'est rien. Ah oui, je voulais vous dire. Oh, on est 1000. Je suis trop contente. Il y en a, ils vont dire c'est rien, mais moi je suis trop contente. Désolée si ça bouge, mais j'ai mal au bras et puis bah, on roule. Donc voilà. Ça y est, on est 1000. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui vont faire, merci à tout le monde. Je suis trop contente. Et là, on va du coup faire un petit tour chez Action. Oui, je fais que d'y aller, je sais. Mais j'avais pas pensé à prendre des caisses de rangement pour le linge en fait qui va plus aux enfants au fur et à mesure. J'en prends une pour Thaïs et une pour Ezio. Et voilà. Et du coup, au fur et à mesure que ça leur ira plus, je mettrai dans la caisse. Et je voulais prendre un truc pour faire des nattes dans les cheveux. Enfin, une tresse dans les cheveux à Thaïs, parce que je sais pas les faire déjà de base. Enfin, pas très bien. Collé au crâne, je sais pas très bien les faire. Mais alors, avec des cheveux qui bouclent, voilà. Donc, je voudrais acheter le truc en plastique, vous savez, comme ça là. Enfin, de toute façon, je vous montrerai quand j'aurai. Et donc, du coup, on va faire un petit tour vite fait. Et après, on va chez mes parents parce que faut qu'on imprime un CV pour Brian. Et puis, bah, parce que vous pouvez y aller aussi. Du coup, j'ai trouvé mes deux caisses. Ouais, il a pris ça à Thaïs parce qu'elle en voulait une sirène. Il s'est pris deux arbres comme ça. Il en a mis un déjà dans la voiture. J'ai pris trois cadres parce que j'ai trois dessins à imprimer pour mettre dans la chambre, enfin trois images pour mettre dans la chambre du petit. J'ai pris ça pour mes vidéos YouTube, comme ça je les vois directement ce que je dois tourner, monter et tout ça. J'ai pris ça pour faire des nattes dans les cheveux à Thaïs. J'ai repris des piles. J'ai pris une batterie comme ça. Si jamais j'ai plus de batterie, ouais. Pour vlogger, bah, j'emmène la batterie et je pourrai recharger. J'ai pris une perche pour les vlogs. J'en avais déjà une avant, mais elle était cassée. Donc du coup, voilà, j'en ai racheté une. Et j'ai pris ça parce que j'en entends parler. Du coup, je vais tester. Et donc du coup j'ai pris deux caisses comme ça. Voilà, j'en ai pris deux. C'est des quoi, 24 litres si je dis pas de conneries. Donc voilà. Voilà pour nos petits achats. Bon, je vous reprends. Il est bientôt 20h. On vient de repartir de rentrer de chez mes parents. Enfin, on est sur la route encore vu que Brent s'est arrêté au magasin. Il s'est arrêté à un Vival pour acheter... juste un fromage parce qu'on en a un, mais on voulait en prendre un parce qu'à chaque fois on en met deux pour faire une tartiflette. Brian va faire une tartiflette ce soir, donc faut que je mette des patates à cuire en rentrant, et puis on mangera une petite tartiflette ce soir. Vu qu'on est 1000, je me suis dit
Le plus pratique, c'est d'avoir un PC. Déjà, pour pouvoir voir où on en est, etc. Sur YouTube, c'est plus simple. Et en plus de ça, je pourrais prendre un logiciel de montage, ce qui me permet de garder ma mémoire. Tiens, Brian est là. De garder ma mémoire pour les vidéos et tout ça. Donc, du coup, je suis en train de voir pour en trouver un et en commander un en 4 fois sans frais. Je devais en prendre un déjà de base à la base, mais là, vu qu'on est 1000, c'est encore, ça me donne plus envie encore. Voilà. Donc, ce soir, on va peut-être aller chez mon frère. Je suis pour une boisson. On se fait pas chier tranquille. On fait qui? Ça va prendre du sel ce soir, peut-être ça sera mort. Maman. Prends ça 2 secondes. Maman. Oui. Oui. Il va qu'à t'entendre les passants. Merci beaucoup. Gros bisous, Mel, bonne soirée. Oh, Mel. Du coup, oui, ce soir, on va peut-être aller chez mon frère parce que, avec notre c'est au micro de Fred. Et 10 foules aussi pour la plus grosse radio. Avec notre compte, on sait pas pourquoi ça nous demande un code à chaque fois en 4 fois sans frais. En une fois, ça passe, mais en 4 fois sans frais, à chaque fois, ça nous demande un code. Et la banque n'est pas capable de nous dire quel est le code, pourquoi on a un code alors qu'on en a pas demandé. Peut-être le code, ça me met sur mon ancien numéro, peut-être. Je sais pas. Ancien numéro de téléphone. Je sais pas, mais non, parce qu'on a fait le changement. Sur la carte, oui, mais bon. On a fait le changement de numéro de téléphone. Enfin bref, donc du coup à chaque fois qu'on a besoin de faire des 4 fois sans frais, on demande à mon frère et à ma belle-sœur et en général c'est ok pour eux. Là on attend leur réponse, on sait pas encore. Donc voilà, parce que je veux le prendre en 4 fois sans frais parce que c'est un achat qui n'était pas prévu à la base ce mois-ci. Donc je peux pas me permettre de mettre 300 € dans un ordinateur comme ça sans que ce soit prévu. Donc voilà, du coup là on rentre à la maison, on va faire la tartiflette, enfin Brian va faire la tartiflette. Toi tu as chauffé les patates nues? Ouais, je t'avais les patates à cuire, c'est tout. Oh, tiens, moi j'ai peur, attends. J'ai trop faim par contre, je sais pas si ça va aller assez vite pour le... Maman, oh, j'ai trop faim. Et puis voilà, du coup c'est tout. Moi je vais commencer mon montage, comme ça sera fait. Et puis c'est tout. Du coup voilà, je vous retrouve plus tard dans la soirée. Là, ça me dérange. Au revoir bébé. Je vous avais pas montré la housse de couette, enfin la parure de lit, tout ça, de chez Action, ce que ça donnait, donc du coup ça donne ça. Le doudou là, c'est le doudou que je me sers pour dormir avec. entre mes jambes. Enfin bref, je suis essoufflée, je suis désolée. Mais bon, vous voyez ce que ça donne, voilà. J'ai oublié de vous dire un truc important en plus. J'ai oublié de vous dire qu'à mon rendez-vous, ma gynécologue, je lui ai demandé si elle pourrait, elle aurait le droit de me faire un décollement du col la dernière fois qu'on se voit. Mais la dernière fois qu'on se voit, je serai à 8 mois pile. Donc du coup, je me suis dit, c'est sûr que c'est pas possible. Mais du coup, j'ai voulu lui demander quand même pour savoir à quoi m'attendre, etc. Et donc, elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit parce qu'il y a des conditions pour ça. Il faut avoir le col dilaté, enfin, le col dilaté, oui, le col ouvert. Il faut plein de conditions comme ça, et elle m'a dit que c'est à 37, non je sais plus, je crois que c'est à 8 mois et demi quoi, en gros, qu'on peut le faire en plus des conditions, des autres conditions. Donc elle m'a dit qu'elle pourra pas me le faire. Donc du coup bah j'aurai pas de décollement du col. C'est pas grave parce que ça peut venir même sans le décollement du col, heureusement. Mais voilà, je voulais juste savoir en fait ce que pour Thaï j'avais eu ça. Et donc du coup voilà, ça avait pas fonctionné pour autant, mais voilà. Je voulais juste savoir si c'était possible qu'elle me le fasse ou pas, savoir à quoi m'attendre le jour du rendez-vous. Puisque bah du coup je me suis dit c'est loin de ma date de terme, enfin c'est un mois avant ma date de terme, on me dit. Voilà, je vois personne après, donc si jamais ça venait pas qu'à vouloir venir, ça venait à pas vouloir. Enfin, si jamais ça veut pas venir, quoi, que je vais devoir attendre jusqu'à la fin de ma grossesse, comme pour Thaïs, j'ai fait 7 jours de plus, quoi, c'était super long. 7 jours, on se dit c'est rien, 7 jours, mais en vrai, quand t'es enceinte et que t'es plus qu'à terme, t'en as marre, quoi. Déjà, quand t'es à terme, déjà t'en as marre, alors quand t'es encore plus qu'à terme, t'en as encore plus marre. Surtout quand tu te dis que t'as failli accoucher à 6 mois. Donc t'as eu peur parce que tu voulais pas accoucher à 6 mois, forcément c'est dangereux quand même pour le bébé. Donc t'as fait les piqûres, etc. Donc j'ai eu des piqûres dans les fesses, oui c'est glamour.
Et ça m'a coupé le travail, mais ça me l'a complètement coupé, quoi. Ça voulait plus, après, je voulais, enfin, j'arrivais plus à avoir de contractions ou quoi que ce soit. Donc, j'avais beau me donner à 1000%, faire 36 fois le ménage dans la journée, c'est une expression. Tout ça, ça voulait pas déclencher le travail. Et il a fallu deux déclenchements pour pouvoir avoir un début de travail. Donc, voilà, j'ai peur que ça recommence, en fait, tout simplement. Mais bon, je me dis que là, j'ai pas eu de piqûre pour ralentir le travail, donc peut-être que ça viendra naturellement. C'est un deuxième accouchement, peut-être que ça viendra plus naturellement, plus rapidement. En fait, j'aimerais bien ne pas avoir de déclenchement. Ce que j'aimerais vraiment, c'est perdre les os, en fait. Je sais pas, ça paraît con, mais c'est la manière la plus connue, en fait, de débuter un travail, même si d'ailleurs, en ce moment, enfin, en ce moment, maintenant, de nos jours, pas tout le monde perd les os, hein, on est d'accord, mais. Bah, c'est l'euphorie du truc. Enfin bref, voilà. Et du coup, je lui ai demandé à partir de quand bébé pouvait sortir sans qu'il ait de problème de santé. J'ai entendu de tout. Depuis que je suis enceinte de Thaïs, il y a eu plein de choses qu'on m'a dit. Enfin, ça a changé 36 000 fois. Jamais on me disait la même date, etc. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui demander. Et donc du coup, j'ai appris. Moi, je pensais que c'était 8 mois et demi ou 8 mois et une semaine. Qu'il pouvait sortir sans qu'il y ait aucun problème. Et en fait, non, apparemment, si jamais je venais qu'à accoucher à 30, enfin, le travail commençait à se mettre en route à 34 semaines, c'est pas grave, en gros. Donc voilà, écoutez, c'est ma gynéco qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est vrai, enfin, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas, vous, qu'est-ce qui vous a été dit ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça veut dire que là, moi, je suis à 33 semaines. Donc ça veut dire que dans une semaine, si bébé sort, bah, c'est pas très grave. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Bon, je vous reprends, on est le lendemain. Hier, j'ai pas clôturé tout simplement parce que j'étais fatiguée. Je me suis à moitié endormie sur le canapé. Enfin, moi, c'était une catastrophe. Donc, du coup, j'ai pas clôturé, mais de toute façon, il s'est rien passé. On a mangé. Et puis, bah, en fait, peut-être une heure après, on est parti se coucher. Donc voilà, finalement, on s'est couché en même temps que Thaïs. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.